Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui on teste Forge of the Fae, donc la forge des fées. C'est un Kickstarter, pareil, j'ai vu une petite pub sur X. Et du coup je me suis dit ça avait l'air bien sympa, ça me rappelle fortement Sea of Stars. Donc voilà, vous avez accès au Kickstarter en bas, on ira voir tout à l'heure. Et on va tester le jeu. Alors le jeu est en anglais. Et je suis pas super bilingue. Donc je vais essayer de faire au mieux pour traduire. Et ben on est parti. New game. Allez. Alors je vais mettre l'autre. Hop, je vais vous mettre celui-là. J'espère que. Ouais, c'est tout bon. Allez, c'est parti. C'est juste là, mais. Non, ça ne marche pas. Et ben, en plus, ça ne marche pas non plus. L'extraire directement serait impossible. Si on pouvait être lié dans un circuit avec d'autres. Bonjour, Fiora. J'ai bien dormi, j'ai fait un jogging et un petit déjeuner complet. Et tu es toujours exactement là où je t'ai laissé hier soir. Attends, dirais-moi. As-tu au moins réussi à fermer l'œil? Je crois que je me suis endormi pendant quelques heures. Ce cristal est bien... Fille, si tu continues à ce rythme, tu seras bientôt épuisé. J'ai été... mince, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, en gros, je crois qu'il c'est qu'il a travaillé ou un truc dans le genre. Et maintenant, c'est le grand air pour toi, ma fille. Mais... Alors, le soleil et le frais de l'air, tu devrais vraiment en profiter davantage. Hop. Au fait, qu'en est-il de... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous interrompre? Ou est-ce que je vous interromps? Ah, monsieur Roac, pas du tout. Vous avez bien dormi? Oui, les villageois étaient un peu plus accueillants après que vous ayez mis un bon mot. Ah, ne vous souciez pas de leur mauvaise manière. C'est juste parce que tu viens d'une autre ville. C'est peu qu'on même peur des citadins de Taleisin. Attendez, j'ai la petite caméra qui me fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi elle est descendue. Hop. Oh, ok, c'est bon. À propos de ton fils. Ah bah, si je remets pas la souris au bon endroit. Il m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Tu as dit que tu pourrais m'aider à le trouver. Je pense que je peux, mais je n'ai pas le matériel nécessaire. Euh,
Afin de trouver votre fils, nous devons récupérer un cristal de niveau 3. Quoi? Qu'est-ce qu'un tier 3? Comment un cristal pourrait-il changer quoi que ce soit? Bah, on va lui expliquer, hein. Allez, go. Alors, les cristaux, comment je vais l'expliquer? Un cristal de niveau 3 est essentiellement un cristal grand et pur. Utilisé correctement, il peut créer un écho harmonique dans l'éther. Harmonique, écho, ouais, c'était pas le bon moment de l'expliquer. Honnêtement, je ne comprends pas encore complètement le phénomène. Mais comment cela peut-il aider à retrouver mon fils? Autant dire que c'est quelque chose que vous devez voir par vous-même. Mais je serai prêt à vous le montrer. Je veux juste récupérer mon fils. Eftira peut être un peu difficile à comprendre, mais elle sait ce qu'elle fait. Écoute, si cela peut nous conduire à Owen, alors je t'aiderai. Alors, le meilleur endroit pour trouver un cristal est dans la puits de mine abandonnée à proximité. Oh, c'est charmant. Passons la journée avec les chevilles mouillées à souffler dans Glendewi. Où peut-on trouver ce Glendewi? Le chemin qui mène au vallon se trouve à l'est d'ici, juste à travers la forêt. Alors j'essaie de voir, ok. Donc il y aura Sailly et Rock, ok. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas. Ah. Ok. Bon, je fais un petit tour des horizons. J'ai vu qu'il y avait un truc à récupérer. Hop, voilà. Les SP, je sais pas ce que c'est, sûrement la mana. Oh, on peut couper, très bien. Là, on va arriver au village, je suppose. Non, je sais, on doit aller de l'autre côté. Bon, on va aller de l'autre côté. Ok. Bah pour l'instant, c'est sympatoche, hein. C'est bonne 2D. J'ai l'impression que la caméra est quand même assez proche des personnages. On n'a pas une grande vue d'ensemble du niveau. Alors, nous sommes pas responsables des blessures subies lors des sauts au-dessus du vide ou des plans d'eau. Alors, sauter par-dessus. Des passages étroits. Rassemblez simplement votre courage et marchez et courez vers le bord. Ok. Ouais, bah ça saute tout seul, hein, comme d'hab. Voilà, petit combat. Allez. Ah, genre, il n'y a pas de tuto, rien. Alors. Daily physical damage to target open. Ok. Use special character abilities to overcome your. Ok. Use an item. Ça, c'est les items. Et cut your. Ok. Donc là, ça doit être la défense. Ou c'est pour fuir, je sais pas. Bon, on va essayer d'attaquer. Ah, ok. Ça, c'est la cible. Ok. Voilà, on va attaquer le champignon là. On fait blesse contre les attaques physiques, visiblement.
Ah, elle fait les attaques magiques et lui doit faire les attaques physiques. Ah bah non, en fait, je sais pas contre quoi elle était faible. Wow. Ça c'est quoi? Ah, ça coûte des SP. Ok, c'est les points de magie. Tiens, ouais, c'est ça. Oh, pas mal. Ok, il m'a baissé la défense. Lui, elle fait quoi, elle? Steam Punch. Oh, vas-y. Ouf. Ok. Et lui, il fait quoi, lui? Ah, il en a deux, lui. Ah, allez. Stonewall. Non, juste sur une attaque normale, allez. Ouais, y a pas eu de petit tuto, rien. Vas-y, on te balance au milieu du combat comme ça. Ok. On ne peut pas passer. Il saute pas sur sur les tonneaux. Je sais pas où je vais, hein, je. Bah, de toute façon, j'étais obligé de passer par là pour récupérer le. Ah, voilà. Ah, on doit pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Là, on doit pouvoir monter. Il y a un combat. Allez, vas-y, on va se fight. Ah, c'est quoi ça? Surge. Increase the speed until the end of the next turn. Ok, on va. Ah, c'est l'adrénaline, sûrement. Ah, ok, parce que j'ai. Et je peux pas changer de personnage là? Empoisonné, voilà. Ah non, ça va. Calmez-vous. Ça, je sais pas ce que c'est, Stonewall. Je crois que ça va être pour se défendre. On va voir ce qu'il fait. Ouais. Coup de boule, coup de boule. Allez, go. Ah mince, je vais attaquer l'autre, c'est pas grave. Allez, level up. Alors, nous ne serons pas tenus légalement responsables des blessures subies lors d'une escalade non autorisée. Vieillis jamais. Mais avant de partir,
Nous devrions insérer quelques cristaux dans l'arc. L'arc? C'est l'une des nouvelles inventions de Fi. C'était quoi déjà? Éther réagit. Donc, codex de résonance éthérique. Bien sûr, c'est cela. C'est un peu une bouchée, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, les résultats ont été très prometteurs et cela devrait nous aider ici sur le terrain. Il suffit d'insérer le bon type de cristal dans l'appareil et il devrait résonner avec la fréquence de votre corps et créer magie. Magic. Énergie. Ça semble être un outil pratique. Alors, pour équiper des cristaux, ouvrez le menu et sélectionnez le menu du personnage en appuyant sur droite sur le pad de clavier pour confirmer. Sélectionnez le cristal menu. Le menu cristal, à l'intérieur, vous pourrez vous équiper de votre cristal pour gagner de la magie. Mais ce n'est pas tout, le cristal sera lié à l'une de vos capacités de combat, augmentant ainsi la puissance de cette capacité. Ah, ça c'est un des cristaux, ok. Alors, flamme ou flamme punch? Moi j'ai envie de cette flamme. Ok. J'ai pas trop compris. Alors, win damage to single enemy. Powerful win attack with bonus critical. Bon, bah, c'est ça. Ok. Lui, il n'y a pas trop le choix, lui. Ok, bon. Ok, bon, on va laisser comme ça, parce que j'ai pas tout compris, mais... On va voir ce que ça donne. Ah, un combat, bah on va voir ça tout de suite. Donc en haut, on voit l'ordre. Par exemple, je pourrais l'accélérer. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose au niveau de l'ordre. On va tester. On va voir si vraiment ça change quelque chose. Pas eu de changement. C'est pas grave, on va attaquer. Vas-y. Allez, on va faire flamme, on va essayer. Waouh. Bon, ça, on l'a pas testé, je crois. Ouf, 114, ok. Et bon, on va essayer ça, hein.
Ok, bon, ça a l'air d'être paisible. Ok, on peut power up nos habilités avec ça. Alors, veuillez ne pas altérer les cordes fournies par l'entreprise. Ces cordes sont destinées à l'usage exclusif de l'entreprise. En bas du panneau, vous voyez un deuxième message écrit d'une écriture brouillonne. Tu ne m'attraperas jamais l'enrouleur de cordes. Bah ouais, on va prendre la corde et on va descendre. Ah, on est lock. Pas combat. Allez, on va tester ça. Oh. Il aime pas le feu. Allez hop. Il reste plus que deux. Peut-être falloir que je me soigne, hein, à un moment donné. Ah ouais, je suis en PLS là. Allez, moi j'ai une petite baie là. Ils sont résistants ceux-là? Ouais, ils veulent pas mourir. Berserk, ok. Là, ils sont en mode vénère là. Attends, on va faire un truc, c'est que toi. On va pas te laisser faire ton board de. Voilà, berserk, parce que sinon. Allez hop. C'est quoi ça? Donc ça confère une résistance élémentaire. Cookie. T'es. Allez, pousse-toi. Allez. Ou couche-toi, fais quelque chose. Ah, combat. Allez. Champi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Allez, un de moins. Il tire sur lui. Waouh, 4 points de vie. Waouh. Il va falloir que. Eh, il faut vraiment que je les soigne. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tiens, prends lui là. Voilà. Je crois qu'il va falloir que j'aille soigner et rajouter de la magie. Level up. Est-ce que ça soigne tout quand on. Non, ça soigne pas. Allez, on va utiliser des.
Ça soigne combien ça? Wow, 250, non, peut-être pas. Ouais. Ouais. Ok, on n'est pas trop mal. Allez, continue. Ce camp qui vivait ici. Alors, AE Mechanica. J'ai peur de ne pas comprendre. C'est une société des terres qui fait appel à Phi de temps en temps. La Mechanica, c'est une grande. Yo! Tu l'entends? Mais j'ai pas le son. Ah. Une grande entreprise de l'Est, ils ont posé de gros câbles à travers la campagne. Certains travailleurs tentent d'approcher leur. Indemnité, d'empocher leur indemnité journalière en campant dans les bois près de sites de fouilles. C'est pas très safe. Ce n'est pas le cas. Il serait plus judicieux de rester au village si vous voulez mon avis. C'est de terminer ça un peu plus vite. Ça, pas plus que c'était ça. Ça va, je me reste encore un coup, non, il doit être mort. Allez, hop là. Alors, non. Là non plus. Donc, il faut descendre. Pour l'instant, il n'y a pas 36 solutions. Et voilà, il y a un combat. Voilà. Il n'y a pas un toy qui attaque tout le monde là? Qui c'est qui attaque en premier? Ah, c'est lui. Ouais, je peux pas le finir d'un coup là. Voilà. Allez, tu veux me finir. C'est qui le prochain? C'est le sanglier. Allez. Oh, il est presque mort. Ah non, c'est le champi, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, passons. Allez hop. C'est dans la boîte.
Je fais vraiment pas le chemin comme il faut. Hein. Eh bah forcément. Ah si, là. Ah, on va descendre de l'autre côté et on va repasser ici. En haut. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu le temps de lire. Ok, un accessoire. Alors, je vais voir si je peux m'équiper d'accessoires. Équipe. Ah, bon, il est moins bien lui. Ah, mais par contre, il augmente tout le reste. Bah, vas-y. Et accessoires. Ok. Lentille de travail à couple élevé, gantelet. Travail à vapeur. Ah, tiens, c'est quoi? Ouais, c'est le même. Ok. Et attaque un peu plus et on perd en défense. Perd 10, on gagne 5, c'est pas ouf. Bon, on va laisser comme ça. Alors, je sais que le jeu, il travaille sur une version française hein, du jeu. Anglaise, français, je crois qu'il y a allemand et italien peut-être. Et ils vont peut-être faire une version japonaise aussi. Ok, bon, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est là d'où on vient. Et on était passé. Allez hop. Oh là! Il va falloir que je me soigne aussi. Ouais. Apparemment, ce petit icône, je sais pas ce que c'est. Oh non, il a pas mis. Ouais. Me tuer. Comment ça? Ah, il disait. Ok. Un petit level up. Et je crois qu'il faut que j'aille soigner mes personnages. Ouais, le reste ça va. Par contre, on va leur donner c'est ça, ça. Et on est pas mal. Oh, il y a un toutou. Oh, on peut caresser le toutou. C'est Renjoy, c'est un labrachon. Regarde. Il y a des babines qui pendent un peu trop. Joli temps, quoi, beau temps, vous ne trouvez pas? C'est agréable de s'éloigner de la ville. Bonnie ne te mordra pas, c'est une vieille fille douce. S'appelle Bonnie du coup. Vous allez effrayer les poissons. Ok. On ne peut pas pêcher, nous, on n'a pas le droit. J'entends un chat qui miaule. Oui, je l'ai entendu tomber.
Alors, on va attaquer le vert en premier. On va essayer de s'en débarrasser. Ah, elle est trop cheatée, son attaque, elle. Allez, vas-y. Oh non, elle a tout raté. Bon, va falloir faire ça. Ok. Si tu peux m'en enlever un au passage, ça serait cool. Voilà. Et du coup, ben. Il reste plus qu'un, on va le tuer normalement, celui-là. Comment il s'appelle le truc du Quidditch là? On dirait qu'on a ça dans les combats. Pas passer par là. On a gagné un équipement, on va venir le mettre après. Il y a un chat qui est revenu. Oh, un élixir, 100% des HP. Hop. Allez, petit combat. Ah, j'aurais dû m'équiper avant. Oh, ça, on l'a test. Oh, franchement, c'est la meilleure, celle-là. Oh, ça fait deux fois que tu rates. Allez, tu me le one shot. Ah, hein. Oh, de rien me manquer. On va aller voir en haut aussi. Ah bah, on vient d'en haut. Ok. Bon, on va aller ici. Hein. Ah, ça y est. Charming. Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Je te vois venir. T'es devant l'écran, hein, Cookie? Ouais, tu peux pas passer. Oui. Allez, vas-y. Allez, avance. Allez, avance. Avance. Nous trouverons le cristal dont nous avons besoin ici. Oui, mon assistant, je veux dire mon ami, Mac a trouvé plusieurs spécimens de qualité ici. Oui, tous les cristaux qui alimentaient mes mixeurs de cuisine puissent-ils reposer en paix? And her mechanical fairies. Effet mécanique. C'est une machine incroyable, soit dit en passant. Merci, j'ai également travaillé sur un hétéroscope, un appareil permettant de détecter une activité inhabituelle dans l'éther. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici, fille. Tu as raison, on parlera plus tard. Pour l'instant, on devrait avancer. Je ne veux pas risquer de sortir après la tombée de la nuit. Pourquoi? Que se passe-t-il après la tombée de la nuit? Ici, les vrais faits sortent à la nuit tombée et pas les belles dont on entend parler dans les histoires. Allez. Ah oui, je devais regarder dans l'inventaire. J'ai dû récupérer un objet. On va pouvoir équiper.
Ok. Donc on gagne 20 et là on va gagner 10. En vrai, pas photo. Alors c'est curieux, de l'encens fraîchement allumé brûle dans un récipient. Qui c'est lui? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulions vous demander la même chose. Je suis ici en tant que géomètre agréé. Avec quelle compagnie minière travaillez-vous? Même si je pouvais divulguer cette information, je ne partagerais certainement pas avec un fournisseur de minerais amateur. Intéressant, je ne te connais pas, mais apparemment tu me connais suffisamment pour me détester. Il ne vous connaît clairement pas assez bien pour penser que vous êtes un amateur. Du moins pour penser que tu es un amateur. Et vous, qui êtes-vous? Le boulanger du coin? Ah, l'ancien boulanger. N'avez-vous pas brûlé votre boulangerie? Je suppose que vous n'êtes qu'un simple chômeur. Quoi? Espèce d'imbécile visqueux, je devrais... Je sais pas si la trad elle est bonne. Hein. Sadie, calme-toi, il essaie juste de te mettre en colère. Fiona a raison, il n'en vaut pas la peine. Oui, il est préférable d'écouter vos supérieurs. Aussi passionnante que soit cette conversation, je dois vraiment y aller. Et si tu sais ce qui est bon pour toi, tu partiras aussi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Les personnes qui creusent dans les mines abandonnées ont tendance à se blesser. Est-ce une menace? Pas, je ne vais pas perdre mon temps en querelle mesquine. Retenez bien mes paroles, si vous continuez à creuser, vous risquez de vous retrouver enterré. Creuser, bien sûr, il saurait tout sur creuser, salvaire. Qui était-ce? Il semble être une source d'ennui. Juste un horrible imbécile qui ne sait rien. Non, Rock a raison. Nous devons être prudents. Il semblerait que nous soyons pas les seuls à nous intéresser aux cristaux. Une potion. Il n'y a rien. Peut-être qu'un jour on pourra marcher sur l'eau. Ah, combat. Alors, ben, cyclone. Allez, vas-y. Ouais, ils sont résistants, dis donc, ok. Allez, flamme punch. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ah, j'ai pas assez. Comment ça, il a attaqué deux fois? Allez, petit niveau supplémentaire. Alors, ne dérangez pas la faune locale. La famille Suscorofa a été identifiée comme étant dangereuse. AE Mechanica, donc c'est l'entreprise.
Ah, on a un chapeau. Qui c'est qu'on va mettre un chapeau? Ah ouais, ça change rien. Ah si. Résistance. Bon, allez, on va te le mettre à toi, le chapeau de mineur. Ok, on va aller voir l'autre côté ce qu'il y a. Il y a un combat. Allez, on va faire le combat, comme ça on s'en débarrasse. C'est qui va attaquer en premier? C'est eux. Oh, il a raté. Bon, ça va, il en a tué un. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait. Ouais, lui il aime pas ça. Ah dommage, pas assez. Ça va, il empoisonne pas, juste il diminue la défense. Oh, ça va commencer à être un labyrinthe là. Y a rien. Ah, elle a pas assez. Ça, c'est, il fait plaisir, lui. Attends, je vais te finir, toi. Ah, pas assez. Waouh, je suis en PLS. Faut qu'il attaque, hein. Allez hop. Faut que je me soigne. Alors, inventaire. Voilà, on va soigner tout le monde, on va rajouter un petit peu de... Voilà. Ah. Comment ça, on peut pas y aller? C'est quoi cette histoire là? Oh non, bon bah visiblement on peut pas passer par là. Et en haut. Ah, on peut pas non plus, bon bah il va falloir passer par l'autre côté. Ça se pousse pas ça? Non. Passer par là. On va sûrement gagner une capacité qui va nous permettre d'avancer. Je sais pas ce qu'il fait lui. Caillou, lui, on doit pas le pousser. Donc avec une force kinétique, c'est quoi si, avec une force cinétique, ce rocher devrait tomber et créer un chemin en dessous. Bon, et eh ben, mettons la théorie à l'épreuve. Ah bah ben voilà.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, cool. Maintenant, on peut avancer. Ah, encore un. Qu'est-ce que ça fait ça? Ouh, ça fait mal ça. Et... C'est quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, elle est trop bien elle. Par contre là, j'ai un souci, je crois qu'on a tout fait et on peut plus avancer. On va voir si on peut avancer à droite, mais bizarre ça. Il semble qu'on ait étouffé. Il veut pas monter. Ah, ok. Non, mais tu vas aller sur l'autre caillou. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ouais, bah tu vas prendre ça. Bon, il n'y a pas plus de choses à faire ici. Alors je vais voir un truc parce qu'il y a un endroit qu'on n'a peut-être pas fait. Ici. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai les fumées là. Wow, 192. Laisse tomber. C'est qui va attaquer en premier lui? Ah, finis-le, allez. Oh, par contre, elle fait masse de dégâts, elle fait plaisir, elle. En plus, elle level up. L'équipe d'arpentage est en attente d'approbation. Veuillez procéder avec prudence au-delà du pont ouest. Bon, allez, petit combat. Comme ça, on level up un petit peu. C'est quoi? Vas-y, finis-le. C'est soit on descend à la corde, soit on va à gauche. On va descendre à la corde. Oh, elle va les défoncer. Voilà, elle rate quand même pas mal en ce moment là.
C'est tout? Ah, oh, je suis déçu. Ah, lui, il a plus assez. Bon, vas-y, attaque. T'as raison qu'elle est là, elle. Attends, hop là, level up encore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait quoi ça? Ah ok, oh! Ah ouais, mais je peux pas. Ah ouais, je peux pas mettre les deux. Ça aurait été trop bon. Ouais, pour l'instant, résistance à la terre, bon. On va laisser comme ça. Ouais, finito. Ok. Et ça, c'est d'où on vient, ça? Ça augmente la magie. Allez hop là, ça c'est bien ça. Ah, encore un combat. Il y a moyen qu'ils me le finissent. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, double attaque. Il reste plus qu'un champi du coup. J'ai les adrénalines à fond là, je les ai pas encore utilisées. À la gauche. Ok, inutile. Je ne vais pas regarder ce que j'ai eu comme mince. On a fait le tour là. Il y a autre chose. Ah non, on peut grimper ici. Et ça rejoint. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh cool. Merci. Est-ce que ça sentira pas le boss là? C'est sûrement ici que Mac obtenait ses cristaux. Pourquoi ces cristaux sont-ils spéciaux? Nous avons dû en croiser des milliers d'autres. Les cristaux sont courants ici, mais moins d'un sur 100 peut produire de l'énergie stable à partir de l'éther. Celui-là, cependant... Produire de l'énergie à partir de rien, ce n'est pas possible. Ça serait une révolution, un miracle. Vous avez senti ça? Ce n'est pas un miracle, c'est juste que nous ne le comprenons pas complètement.
Et pour ce qui est de la révolution, je n'en suis pas si sûr. Il n'y a pas beaucoup de cristaux qui répondent aux normes de pureté. Il n'y en aura jamais assez pour une production de masse, à moins que nous trouvions un moyen de les synthétiser. Ok. Je ne peux pas être la seule à ressentir ça. Il me suffit de récolter celui-ci sans l'abîmer. Oh, mais il met sa vie à l'enlever, quoi, elle. Et ensuite, tu peux l'utiliser pour trouver l'autre. Il semble que je puisse obtenir une pause assez nette à partir du dépôt. Allez. Nous y sommes. Je pense que nous devrions probablement... Ah, silence, on peut pas utiliser la magie. Enfoiré. Lui, il peut nous faire un petit mur, allez. Toi, tu vas attaquer, hein, tout simplement. De toute façon, t'as une double attaque, donc... Et toi, tu vas nous faire un mur. Ouais, fais le mur devant elle. Parfait. N'a pas la barre de vie de... Ouais, heureusement que je suis protégé, hein. C'est quoi, on va essayer de lui enlever ah, d'abord lui, c'est empoisonné. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah, vaut mieux qu'il fasse une attaque normale. Du mal à avoir les dessins un petit peu qui est qui en haut là entre Célie et Fiora. C'est un petit peu too much pixel. Oula, je crois qu'il est un peu en PLS le monsieur là. Je crois qu'il va pas falloir qu'on le laisse trop attaquer. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Max tempo.
Et alors, ce que je vais te faire, je vais te faire un petit cyclone. Wouah, pris trop cher, on l'a déglingué. Ta fiore, elle a même pas level up, quoi. Oh, il respire encore. Est-ce qu'il est mort? Je pense qu'il est juste sonné. Nous avons ce qu'il nous faut, nous devons partir. Ça va être un esprit, je le sens. Ces marquages sont exactement comme ceux sur les murs. Oh non! Exactement ce qu'il a dit. Quelque chose ne va pas? Bah, il fait nuit. On t'a dit quoi tout à l'heure? On a hésité un peu trop longtemps. Maintenant, on n'est vraiment pas dans le beau droit. Si tu veux voir à quoi ressemble la magie de West Country, vous avez de la chance. Le pouvoir des fées? Peut-elle dire. Mais oui, le chemin de retour sera difficile maintenant. Ouah, même pas peur. En plus, on s'est full soigné. Allez. Ah, il y a des fées. Oh, vas-y, elle attaque en première. Waouh! Ah ouais. Waouh, ça va, c'est pas pire que ça. Y a pas un endroit où on voit la map là? Ouais, j'aurais bien vu la petite map là. Ouais, non, y a rien. Vas-y, elle attaque tout le temps en première, elle. Ouah, wow, qu'est-ce qu'elle me fait? Oh! C'est quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, pas lui! Ah bah voilà! Elle fait saigner. Oh. Encore. Allez, plus qu'un. Allez, faut qu'on rentre. Aubercaille, je sais plus où elle est la route. Hein. On va essayer de rush un petit peu. Oh, j'aime bien les combats, moi ça fait level up. Il est où mon combat? Oh, c'est qui celui-là? Ah ouais.
Oh, mais ceux qui sont résistants, eh. Ah! Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il me l'avait gelé. Allez, elle a raté. Est-ce que lui va prendre la... le fire? Ouais, il aime pas le feu. Ouf. Eh, il faut mal, eh. Allez, finito. Eh, il reste plus qu'un. Pas trop mal. Oh, ils m'ont fait mal, eux. Alors, inventaire, on va lui donner une petite baie un peu. Oh, je les ai semés les deux autres là. Alors vas-y, fais ton cyclone sur, sur lui là. Je crois que tu me le one shot. Non, j'y crois pas trop. Oh, 169. Encore. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Allez hop. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Oh, fait plaisir, elle. Vas-y, ils attaquent en première. Au 31. Ouh. Encore. Oh, fuck off. C'est qui? Vas-y. Oh non. Eh, je peux pas changer de perso. Non, je suis obligé de faire dans cet ordre là. C'est quoi? Ah, il n'y a pas manqué grand chose. Oui, il fait mal. Hein. Ah oui, je me souviens, pour descendre. On n'était pas allé tout en bas. Oh non, double attaque là. Oh, ça va faire mal. 3. Non. Wow. Là, je suis en PLS là.
C'est à qui? Oh, elle a pas assez. Attends, déjà tu vas t'occuper de elle. Pas beaucoup, mais c'est qui? Ah, ah mince. J'aurais dû attaquer l'autre. Tu veux pas attaquer quelqu'un d'autre? C'est ça, 22. C'est qui là? Waouh, et tu vas te soigner, mon gars. Non. Pas fini, et toi aussi. Mais dis donc, alors je me soigne direct là. Parce que je veux bien enchaîner les combats, mais il faut que je me soigne un petit peu. Et on va lui rajouter, c'était ça. Ok. Donc c'est ici que j'étais pas allé. Voilà. Récupérer un petit charme. D'où l'attaque. Fait trop la folle. Quoi? Allez hop, ça finit. Allez, on est presque arrivé. Est-ce que ça va être la fin de la démo? Oh, ils ont tous la même tête. Et... Mais qui es-tu? Citoyen concerné. Quoi? C'est ma maison. Nous savons. Que faites-vous ici? Un homme bien connecté vous a demandé d'arrêter de jouer avec les cristaux. Et nous lui avons dit non en quelques mots. Vous devriez savoir, nous sommes payés davantage pour devoir faire cela à la dure. Bon allez, on va vous bolosse les gars. Oh, je verrai à ce que tu gagnes ton salaire aujourd'hui mon garçon. Allez. Ah, oh, j'ai utilisé mes techniques avant. Oh, c'est dommage, bon c'est pas grave, on va leur faire un petit coup de cyclone, ils vont rien comprendre. Hop hop hop. Regarde, hop.
Allez hop, finito. Vous êtes trop les fous. That's right, you tell your boss. Allez, c'est vrai, dis à ton patron que je ferai pire la prochaine fois. Allez hop. Vous pensez que ces hommes, c'est cet homme qui les a envoyés? Bah, ils ont la même tête en même temps. Probablement, il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à travailler avec les cristaux. Qui d'autre alors? Clairement, quelqu'un de très théâtral. Peut-être que nous pourrions le voir à travers l'hétéroscope. Que nous pourrons le voir à travers l'hétéroscope. Ah, cet appareil, comment peut-on voir quelqu'un? Bien. Viens à l'intérieur. Entrer, c'est plus facile si je vous montre simplement comment cela fonctionne. Et bah go là. Alors, ce diapason est légèrement courbé, peu importe. Maintenant, essayez simplement de trouver le ton juste. Mon travail est terminé. Alors, ici. Alors, résonance cristalline, une chanson secrète de Bloody Up Hughes. Alors, la résonance harmonique ressemble à cette mélodie cachée. Ok. Un carnet de notes et d'observations. À mi-chemin, l'écriture devient sensiblement différente. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Tu veux pas lui parler, ces deux fois. Une tarte écossaise, des bunkers, un smash, peut-être une... Ok. Oh, ne fais pas attention, moi, continue comme ça. Ok, bon, elle est en train de penser à son repas. Ah, j'ai vu un truc. Un jour, je rendrai le charbon obsolète, une substance dégueulasse. Fais un plus petite et plus maladroite, se tient debout, souriante à côté de son père. Au sommet de sa tête se trouvent ses lunettes de protection désormais emblématiques. J'ai juste besoin de resserrer un peu cette valve. Perfect. C'est fait, l'horoscope est entièrement amorcé. Le cristal semble présenter de graves artefacts. Peu importe, je devrais pouvoir le contourner ou au moins le rediriger. Assez parlé, allume-la. Je suppose que c'est censé faire ça. Quelques phénomènes visuels mineurs sont à prévoir. L'artefact phénomène, vous l'appelez, nous l'avons. Bien que je dois dire, ce niveau particulier de luminance n'est pas caractéristique. Peut-être que si j'ajuste la fréquence ici, il va se passer un truc, je sens. Attends, ce n'est pas tout à fait... qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, nous espérons. Ah,
Les enfoirés, nous coupent la démo ici. Nous espérons que vous avez apprécié cette démo. Vous pourrez la mettre dans votre liste de souhaits sur Steam et nous suivre sur Twitter. Ah, on va aller voir le Kickstarter du coup. Donc, on va le mettre sur la wishlist de. Donc, on va fermer le jeu. Kit, yes. Voilà, donc on va aller voir. Ici, donc on va le mettre add to wishlist. Allez, est-ce qu'on peut. On peut pas mettre un commentaire là, genre ouais, c'est bien et cool. Ouais, je sais pas, je le vois pas. Ok, alors je vais vous montrer le Kickstarter, il est là. Donc ils ont déjà récupéré 98 000 euros. Il leur en fallait 13 000 hein, sur les objectifs. Il reste 14 jours, il y a 2200 contributeurs. Donc là il y a tout. Franchement, je vous inviterai à lire si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des paliers. Donc il y aura des. Ils ont atteint les 100K. Il y aura un jeu de pêche. Steam Power Jump, donc on aura un jump boosté. Il y aura une traduction en japonais. Donc voilà, il y a plusieurs paliers. Donc il vous raconte, hein, c'est celtique comme histoire. Voilà, il vous raconte un petit peu tout ça. Donc ils disent qu'il y a un système de jour-nuit qui nous permet de choisir quand vous souhaitez explorer. Mais attention, les nuits, la nuit, les fées sortent, mais plus le risque est grand, plus les récompenses sont grandes. Rejouez autant que vous le souhaitez en découvrant à chaque fois de nouveaux secrets et stratégies avec Forge of the Fae. L'aventure ne s'arrête jamais. La variabilité de l'environnement, les différentes stratégies de jeu, les boss secrets, l'histoire ramifiée, les objets à collectionner et les nombreuses quêtes secondaires garantissent que chaque partie est une expérience unique. La météo aura une influence sur votre stratégie, une mention unique. On peut caresser le toutou. Donc une histoire riche, un dynamique gameplay, des graphismes et un son époustouflant. Je crois qu'ils ont utilisé pour le son des personnes qui avaient travaillé sur, voilà, sur Breath of Fire 3 et 4, sur Mega Man, sur Final Fantasy XV. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, nous sommes ravis, Kemi Evan, la voix emblématique derrière Nier Automata, Dark Souls et... Il y a des voix dans Dark Souls ? Et Drakengard 3 contribue à Forge of Fame en tant que musicienne invitée. La voix éthérée d'Emmy a touché le cœur de millions de joueurs à travers le monde et nous pourrions être plus ravis de l'avoir prêté ses talents. Voilà. Ah, mais non, c'est qu'elle a chanté en fait pour le jeu, ok. Notre équipe de composition principale est arcade, hein, ok. Le gameplay, adrénaline, un mécanisme unique que chaque personnage accumule pendant. Ouais. Arc cristal, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'exploration, les inspirations, donc on a du Secret of Mana. Non, Secret, ouais, c'est ça, Secret of Mana, Breath of Fire, en passant par Final Fantasy, Chrono Trigger. Moi, j'ai vu surtout du Sea of Stars, mais. Donc les personnages. Bah, c'est celle qu'on vient de voir, une jeune femme mystérieuse dont le passé n'est pas clair. Draya se retrouve dans un monde très différent de celui qu'elle connaissait autrefois. Ok, la team. Les rewards, donc voilà, en fonction des, de ce que vous allez faire. Donc vous pouvez avoir au niveau des backers, ben, des wallpapers, le jeu en version digitale, l'artbook en version digitale, l'OST en version digitale, un accès à la bêta. L'Alpha Access, l'artbook en physique, on peut créer aussi des personnages, on pourra créer des fées je crois, et il y en a un où tu peux même créer le boss final. Genre le boss final, tu peux aider à la création du personnage. On peut avoir les noms dans les crédits aussi, donc voilà. Donc c'est le design, donc on pourrait travailler avec notre équipe artistique pour concevoir des PNJ, voilà.
Donc l'un des équipements les plus puissants du jeu est à vous de le créer. Donc pour créer des équipements, les esprits errent à la recherche d'un chemin. Vous apparaîtrez comme l'un de ces esprits et pourrez choisir votre propre message spécial. Ah, on pourra être un esprit dans le jeu. Les glyphes des fées sont des petits morceaux de pouvoir magique disséminés dans le monde entier. Les joueurs auront pour objectif de tous les collectionner et chacun d'entre eux aura un design unique. Vous pourrez concevoir votre propre glyphe qui apparaîtra dans le jeu et votre nom apparaîtra dans les crédits à côté de ce glyphe. Ça, c'est cool, c'est sympa. La nuit, dans les lieux sombres emplis de magie, on peut entendre les murmures des fées qui rôdent dans le monde. Votre nom ou un court message sera ajouté à ces murmures. Voilà, c'est une petite touche sympa pour ceux qui vont participer. Pourra participer aussi à la création des ennemis. Et voilà, le Destroyer. Donc, en tant que créateur de ce personnage emblématique, vous recevrez également un trésor de récompense exclusive. Donc voilà, on peut. Ça va être la grosse récompense, le gros soutien qui doit coûter un bras. Il y aura une version chill de l'OST, stylée, en mode Lofi. Les langues, voilà. Donc prévu en japonais, en allemand et en français, ce que je disais. Nous allons également le sortir en espagnol et en coréen. Ok. Les consoles, donc Steam. Donc PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Et voilà. Donc au niveau des paliers. On va traduire en français. Voilà. Donc engagement à 25 euros, tu as le jeu. En version numérique. L'artbook numérique des fonds d'écran et le nom dans les crédits. Et là, c'est la même chose, mais en plus, tu peux commander des trucs en plus. Là, tu as l'accès à la bêta et tu as l'OST complète sans DRM. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, c'est la même chose, mais tu peux, je crois, rajouter des trucs en plus. Version Nintendo Switch, version PlayStation 5 avec le Steelbook. Là, vous avez un truc en plus sur Discord. Donc, accès au canal Discord privé des développeurs. La même chose, mais on peut commander des trucs. La version rétro Nintendo Switch. Donc, un jeu style rétro NES contient le boîtier. Voilà. Et le jeu style rétro NES. La bande son originale. Voilà. Le pack créateur. Donc, c'est 150. Là, on pourra. Voilà. Ce que je vous disais, on pourra créer ces petits personnages, ces fées, ces petits messages. Voilà, etc. etc. Donc voilà, s'il y en a qui veulent participer, ben, vous avez voilà des paliers à 1500 balles. Waouh! Ah, il y avait des offres spéciales Early Burn. Ok, Destructeur. Oh, il a été pris le Destructeur. Ok, excellent. Oh putain, 4000 balles, il allait payer. C'est lui qui a fait le. Ok, bah, quand j'avais regardé, il n'était pas. Donc ouais, voilà. Et bah c'est tout. Donc ceux qui regarderont ce petit live en replay, ben vous avez toutes les infos concernant Forge of Fate. Bien sympa, je pense que je vais participer, je vais voir à quel palier et on attendra la sortie du jeu. Voilà. Et bah sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.